Mathias Mazur présente les 3 M. T'as vu ce titre? Mathias Mazur présente les 3 M. Les 3 M du marketing, c'est marketing, média, message. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros cette question de qu'est-ce que c'est que le marketing finalement. Le marketing, c'est relativement simple. La définition du marketing, comme je l'enseigne et comme je le vis, c'est de créer le bon message. En gros, de créer la pub, le texte, l'annonce Facebook, la bannière que tu vois sur le web, la banderole que tu vois défiler sur le bus, de créer le bon message, donc un message qui est persuasif, de l'envoyer via le bon média. Donc, si votre public se trouve sur Facebook, ce sera Facebook. Si vous ciblez, si vous vendez des produits pour adolescents, ce sera Snapchat ou Instagram. Si vous vendez en B2B à des pros, ce sera Facebook et surtout LinkedIn. Donc, d'utiliser le bon média, donc de créer le bon message, de le diffuser avec le bon média et surtout au bon marché. C'est-à-dire d'avoir le bon marché que vous voulez cibler. Si une de ces 3 choses ne s'imbriquent pas, le message et donc l'efficacité de votre campagne sera morte. Ça ne sert à rien de lancer une campagne si votre message est inefficace, si votre marché n'est pas dépensier. Donc, si vous ciblez un marché qui ne dépense pas d'argent pour tel ou tel produit que vous vendez, ou bien si vous voulez cibler un marché qui n'est pas joignable, tu peux avoir une super pub, tu peux avoir un super produit. Le marché n'a pas accès au message parce qu'ils ne peuvent pas voir le message, donc ça n'a pas marché. Quand je regarde des campagnes qui fonctionnent ou qui meurent, c'est généralement soit le message n'est pas suffisamment bien créé, soit le marché n'est pas suffisamment bien ciblé. Exemple, vous voulez cibler, vous êtes coach de sport. Dire que vous êtes coach de sport, c'est beaucoup trop vague. Vous devez être coach de sport pour adolescents, coach de sport pour retraités, coach de sport pour entrepreneurs occupés. Donc, le marché doit être bien ciblé et le média, donc l'outil que vous utilisez pour diffuser ce message au marché, doit être correct parce que si vous ciblez le B2B, vous vendez à des entreprises et que vous utilisez Snapchat parce que un représentant Snapchat vous a contacté, vous a dit que c'est super pour votre business, vous n'allez pas atteindre cette cible-là. Donc, il faut que les 3 M soient parfaitement connectés. Le bon message, donc un message persuasif, envoyé avec le bon média, donc la bonne plateforme de diffusion, au bon marché, à un marché qui est prédisposé à acheter, qui est soit intéressé ou soit qui a la capacité à acheter et qui a surtout accès à des fonds pour acheter. Encore une fois, cette histoire de vendre quelque chose à des indigènes au milieu de la jungle, au milieu du désert, même si vous avez le meilleur produit, ils n'ont peut-être pas accès au web et n'ont peut-être pas pouvoir voir votre pub Facebook et acheter. Donc, pour avoir un super produit, vous n'allez pas pouvoir cibler le marché. Donc, c'est ces 3 M, marché, message, média. Ces 3 éléments doivent être parfaitement mis en place pour votre campagne. Sinon, ça va être super difficile. Et surtout, je vais vous dire que ça n'a pas marché. Mais si vous avez ces 3 M qui concordent, là, vous détenez vraiment une campagne qui peut être super positive et générer un super retour sur investissement. Message, média, marché sont les 3 M du marketing.